Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 8 juin. Le gouvernement souminois, l'investiture devrait intervenir la semaine prochaine. Ce samedi, la première ministre est allée déposer son programme de gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. À la une également, c'est une figure emblématique du football congolais de la fin des années 1990, ce qui s'en va. Kasongo Banzadi Korando s'est éteint à l'âge de 49 ans. Vous suivrez son portrait dans ce journal. Bonsoir à tous. La première ministre Judith Suminois a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le programme de gouvernement. Elle devrait se présenter devant les élus nationaux début de la semaine prochaine pour son oral à l'issue duquel son gouvernement entend être investi. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État, tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Et donc, dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité, sur base de, en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Après le dépôt du programme du gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale, la première ministre rencontre les élus nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, la majorité à l'Assemblée nationale. Ça se passe au chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Plus de 2 ans après le déclenchement de la guerre par le M23, ces rebelles, cheval de Troie des ennemis, ont-ils fait basculer une partie du Nord Kivu dans le giron des agresseurs? Selon le professeur Dadi Salé, enseignant de l'université à l'université de Goma, le Congo vit déjà un début de balkanisation. Les agresseurs règnent en maître sur des sites miniers depuis des années. Dadi Salé exhorte le président de la République à décréter l'état de guerre pour une mobilisation générale. Je vous propose de le suivre. La mauvaise compréhension de la situation sécuritaire aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Non, il s'agit d'une guerre économique. On a parlé du génocide depuis très longtemps. Il s'agit d'une guerre d'occupation, une guerre de balkanisation directe ou bien indirecte. La RDC a eu une partie balkanisée d'une façon indirecte. J'ai donné ces notions depuis très longtemps, mais malheureusement, les gens n'étaient pas attentifs. La RDC Goma a été balkanisée indirectement depuis plus de 20 ans. Goma a été contrôlée, Goma, Rutshuru, etc. Ça a été contrôlé plus par les Rwandais que par Kinshasa. Depuis plus de 20 ans, c'est ça une balkanisation indirecte. Le minerai exactement du Rubaya, le minerai, ont toujours été contrôlés depuis plus de 20 ans par les Rwandais. C'est pas par la République démocratique du Congo. Donc, cette notion de balkanisation indirecte nous renvoie à comprendre que, bon, on devait quand même féliciter les gouvernements, n'est-ce pas? Parce que pour la MONUSCO, je vous assure que il y a eu une formation de Wazalendo, ça va, par la MONUSCO. Nous sommes très contents et fiers, parce qu'au moins c'est une bonne façon de représenter la MONUSCO pour l'instant. Parce que dès que la MONUSCO commence à soutenir d'une façon directe ou bien indirecte les Wazalendo, qui est une force terrible, extraordinaire, qui fait en sorte que les Congos continuent de résister, là on s'est dit, apparemment, nous sommes vers les Nations Unies qui commencent à comprendre un peu la situation. Donc, nous pensons exactement qu'il ne s'agit pas d'une petite question.
le RDF, l'Ouganda, les néocolonialistes, ne vont pas finir la guerre tant qu'ils n'arrivent pas à leur résultat. Et que c'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit mettre tout le moyen. Il s'agit plus d'une... c'est pas une blague. Il faudra qu'on comprenne effectivement qu'ils veulent diviser la République démocratique du Congo, piller au maximum possible, et que le langage des Congolais doit renvoyer vers une guerre pas tribalo-ethnique. Parce qu'il y a des gens qui veulent tribaliser effectivement cette guerre-là, qui n'est absolument pas une guerre tribalo-ethnique. Mais la République démocratique du Congo porte encore des gants, là où les autres ne portent pas des gants. C'est la raison pour laquelle l'article 63 de la Constitution et l'article 86 n'ont jamais été mis en application. Je rappelle effectivement que le Nord Kivu est sous état de siège. C'est-à-dire l'application de l'article 85 de la Constitution. Or, cet article prévoit, ça va dans le sens normal, 30 jours. Là, on est à plus de 2 ans. C'est-à-dire, effectivement, que la République démocratique du Congo ne veut pas appliquer l'article 86, c'est-à-dire déclarer la guerre, et pourtant nous sommes en guerre. C'est une contradiction de la République démocratique du Congo. On comprend que le chef de l'État fait le maximum, on est vraiment d'accord avec ça, mais déjà sur le plan psychologique, nous n'éteignons pas la guerre. Du Nord Kivu, rentrons à Kinshasa, où la profession de pousse-pousseur est depuis des années une activité courante, et c'est seulement, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans plusieurs provinces. Ils sont plusieurs ceux qui pratiquent ce métier. Géopolis Télévision est allé à la rencontre d'un pratiquant de cette profession. Malgré la pénibilité de ce travail, Lalou Malanga, père de famille, dit traverser des communes et parcourir des kilomètres. Transportant des bagages, il arrive néanmoins à nouer le debout du mois. C'est un reportage de Francine Moukeba et Eneka Bamba. Lalou Malanga, 40 ans, comme la plupart des Kinois, il survit grâce à son petit boulot. En fait, transporter des charges dans un chariot est devenu son métier, son gagne-pain. Chaque jour, il est sur pied à 7 heures. Direction les grands marchés où il place son chariot le long de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Malgré la faible animation matinale du marché, il prend son mal en patience et attend que les choses reprennent pour lancer sa quête des clients de la journée. Un métier a priori pénible que Lalou Malanga assis apprivoisé et grâce auquel il joint les deux bouts du mois. Il pratique son métier fièrement, même s'il fait face à certaines difficultés. Pousse-pousseur, un métier qui a de l'avenir, sûrement. Malanga ne semble pas perturbé tant que ça par la concurrence que représentent les taxis-motos qui, eux aussi, transportent des charges sur des distances. En sport, après un match plutôt acharné contre le Sénégal, les Léopards de la RDC se préparent maintenant pour une autre rencontre. Ce sera contre le Togo. La rencontre est prévue pour ce dimanche 9 juin 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Blaise Kouzola.
L'équipe nationale senior de la RDC s'est entraînée sans pour autant tarder le vendredi 7 juin à 18h en salle de l'hôtel Hilton de la Gombe à prévision du match de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 26 contre le Togo. Ils se sont également entraînés ce samedi 8 juin au stade de Martyrs, toujours pour la même rencontre. Celle-ci est programmée le dimanche 9 juin 2024 à 17h heure locale au stade de Martyrs. Les Léopards, dirigés par Sébastien Desabre, se concentrent désormais sur ces matchs contre les Éperviers, classés 4e du groupe. Un match crucial qui sera déterminant pour le champ des Léopards dans la course à la qualification au prochain mondial. Parallèlement, le Sénégal affrontera la Mauritanie à Nouakchott dans un autre match clé du groupe B. Lors de leur confrontation face au Lion de la Teranga, les Congolais ont réussi à arracher un point crucial à Dakar grâce au match nul de 1-0. Sarr a ouvert le score pour le Sénégal à la 45e minute avant que Fiston Kalalamaili, surnommé le cyborg congolais, n'égalise pour la RDC à la 85e minute avec une frappe puissante sous la barre assistée par Edo et Joris Kayembe, mais également Shadrack Akolo. Ce but a été célébré comme un acte de sauvetage renforçant les espoirs de qualification de Congolais. Le Sénégal occupe actuellement la 2e place du groupe B avec 5 points derrière le Soudan qui en compte 7 après sa victoire contre la Mauritanie. La RDC avec 4 points et en 3e position suivi par le Togo. Et puis, je l'avais annoncé en titre, toujours en sport, l'ancien international, le footballeur Jean Mukulu Kasongo Banzadi Korando est décédé depuis vendredi 7 juin à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Médaille de bronze avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Burkina Faso en 1998. Jean Kasongo Banza Korando a fait la pluie et le beau temps des Congolais vers les années 90 et le début des années 2000. Blaise Kouzola nous brosse son portrait. Depuis 1998, s'en est allé ce vendredi 7 juin. Surnommé autrement Jean Moukoul, Korando avait fait la pluie et le beau temps de la sélection nationale aux côtés, notamment de Meka Essanga, Dima Malé, Jerry Tondeloua, Paulin Tokala et Fish Mungongo. C'était donc lors d'un match amical de pré-saison entre Vaclub et DCMP en 1994 que les sportifs congolais avaient découvert un jeune joueur nommé Kasongo Banza. C'était au stade de Martyrs lorsque le feu coach camerounais de Vaclub Théophile avait lancé cet attaquant de 20 ans qui avait mis les défenseurs de DCMP en difficulté ces jours-là. En 16e de finale, aller de la Ligue des champions de la CAF en 1994, Jean Moukoul, à l'absence de cadres de 20 clubs comme Bamba Cyril et Elos Ekakia, notamment, avait eu l'opportunité de jouer son premier match en compétition africaine. Après l'élimination sur tapis vert des Moscovites de la C1 CAF 1994 contre les Algériens de Mouloudia Doran, Vecleb avait perdu plusieurs cadres et Kasongo Banza décida de prendre le leadership de Vecleb aux côtés de Kiamba Sengi et José Tueba, autrement appelé Nzombo le soir. Quelques mois plus tard, Kasongo et ses coéquipiers ont remporté la Coupe d'Isaïe de football le 29 novembre au stade de Martyrs contre Sangabalende 4-2. En 1995, surnommé Korando, Kasongo était devenu le meilleur joueur de Vecleb et il était le grand artisan de beaucoup de victoires de Vita. En 1996, il était sélectionné par le coach turc Muhsin Ertuğrul pour jouer la phase finale de la CAN avec les Léopards au moment où son club Vecleb était au Brésil pour préparer sa saison. En 1998, comme on dit toujours reculer pour mieux sauter, Kasongo n'avait plus de club, mais il était sauvé par sa sélection pour représenter les Léopards à la CAN Burkina Faso 1998. C'était une occasion pour ce jeune joueur ancien d'Asana de prouver au monde entier qu'il est toujours le même. La RDC avait occupé la 3e place dans cette compétition et Korando avait réussi à marquer son premier but dans une phase finale de la CAN face au Burkina Faso. Cette belle performance lui a permis de signer un contrat avec le club tunisien des Sfaxiens dans un premier temps qui avait remporté la Coupe de la CAF en 1998. Ensuite, Korando a signé avec le club allemand de Wolfsburg en 1999 alors qu'il avait 25 ans. Il a d'ailleurs marqué son premier but en Bundesliga lors de son tout premier match. Que son âme repose en paix. Feiern, wir schauen unterdessen, wie der Ball hineinging. Ganz geradeaus, unhaltbar.
Une brève dans ce journal, la communauté d'Afrique de l'Est a un nouveau secrétaire général, une nouvelle secrétaire générale en l'occurrence. Il s'agit de la Kenyane Veronica Mweninduva qui a succédé à Peter Matuki. Elle a prêté serment et entré en fonction à l'issue du 23e sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État. La RDC, membre de cette communauté, n'a pas pris part à cette rencontre virtuelle. Selon certaines sources, la RDC a boycotté cette réunion en signe de protestation suite aux déclarations et prises de position du président kényan William Ruto sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre burkinabé de l'énergie a signé avec la Russie 3 mémorandums sur le projet pour résoudre la question de déficit nucléaire du pays. Cette collaboration vise à diversifier les sources énergétiques du Burkina Faso et à favoriser le transfert des compétences technologiques. Suivez. Dans la poursuite de la mise en place d'une centrale nucléaire au Burkina, le ministre de l'Énergie Yacouba Zabré Gouba a signé le 5 juin 2024 en Russie 3 mémorandums d'entente avec l'Agence russe de l'énergie atomique, Rosatom. Conformément aux exigences de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ses accords de coopération russo-burkinabé visent l'évaluation et le développement des infrastructures nucléaires, ainsi que la formation d'une opinion publique positive concernant l'énergie nucléaire. Dans la mise en œuvre d'une des volontés du chef de l'État, à savoir résoudre de façon structurelle cette question du déficit énergétique et profiter côté énergie, mais également d'exploiter tout ce qui est potentialité qu'elle va offrir en termes d'accompagnement de la médecine, en termes d'accompagnement de l'agriculture et en termes d'accompagnement de l'industrie dans sa globalité. Avec un taux d'accès national à l'électricité de 22,5% en 2020, selon les données officielles, le Burkina est l'un des pays les plus faiblement électrifiés en Afrique de l'Ouest. Pour garantir l'accès universel à l'horizon 2030 à l'énergie et booster le développement de ce pays, où le taux d'accès à l'électricité en milieu urbain était de 67,4% contre 5,3% en milieu rural en 2020, les autorités ambitionnent la construction d'une centrale nucléaire. Cela nécessite qu'on puisse travailler assez rapidement, qu'on puisse avoir une masse critique, mais également que les techniciens puissent procéder très rapidement aux études nécessaires au lieu d'installation de la centrale pour pouvoir y arriver très rapidement. Le gouvernement du Burkina Faso s'est fixé comme objectif à l'horizon 2027 d'atteindre au moins un taux d'accès à l'électricité au plan national de 60%, 90% en milieu urbain, et 30% au moins en milieu rural. Et la construction d'une centrale nucléaire d'au moins 1 gigawatt s'inscrit dans le cadre du projet d'indépendance énergétique. Restons toujours en Afrique de l'Ouest pour vous faire savoir que la Mauritanie a renouvelé l'octroi annuel au Sénégal de 500 licences de pêche dans le cadre du protocole d'application de la Convention en matière de pêche et d'aquaculture signé entre les deux pays en février 2001. Ceci fait suite à une visite de 2 jours effectuée en Mauritanie par Fatou Diouf, la ministre sénégalaise des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires. Francine Moukeba. La Mauritanie et le Sénégal ont renouvelé le 5 juin 2024 l'accord de pêche dans le cadre de la Convention en matière de pêche et d'aquaculture signée en 2001. Ceci après que les experts des deux pays aient récemment passé en revue tous les aspects à l'occasion d'une visite de 2 jours effectuée en Mauritanie par Fatou Diouf, la ministre sénégalaise de pêche, des infrastructures maritimes et portières. Grâce au protocole validant l'octroi annuel au Sénégal des 500 licences de pêche, les pêcheurs de Saint-Louis, ville sénégalaise
est située à la frontière maritime avec la Mauritanie ont l'autorisation de capturer annuellement dans les eaux mauritaniennes 50 000 tonnes de poissons pélagiques à l'exception du millet et de la courbine moyennant une taxe de 17 euros par tonne. La consommation annuelle des poissons par habitant au Sénégal est de 29 kg, soit 8 fois la consommation moyenne en Mauritanie. Selon le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et maritime en Afrique de l'Ouest. Les captures servent donc à alimenter les marchés du Sénégal. Cette ressource halieutique représente 27% des exportations mauritaniennes au premier trimestre 2024, d'après l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique de Mauritanie. Fin de ce journal, mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Le gouvernement souminois, l'investiture devrait intervenir la semaine prochaine. Ce samedi, la première ministre est allée déposer son programme de gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, vous l'avez suivi, c'est une figure emblématique du football congolais de la fin des années 90 qui s'en est allée. Kassongo Banza dit qu'au rendez-vous s'est éteint, il avait 49 ans. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.